13. Les Rois 13, le verset 17. Verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Amen. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous ne pouvons que te remercier déjà pour le souffle de vie, pour l'occasion que tu nous accordes, Père, d'être en ce lieu et de parler de ta part. Oh Seigneur, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Il y a plein dans ces mots qui sont meilleurs, plus que capables. Mais tu as choisi notre humble personne pour être en ce lieu. Oh Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent. Ce matin, Seigneur, nous voulons te délier ce culte. Que toi, oh l'auteur de la parole, tu descendes et que tu puisses l'interpréter pour nous. Et fais que Seigneur, ton onction Seigneur, oh, et nom de nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous assois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, je veux parler à l'église de la délivrance de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. De la délivrance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Peu importe votre force, peu importe votre argent, peu importe tout ce que nous pouvons y être, la délivrance ne viendra que de l'Éternel. Amen. Mais avant d'y arriver, je voulais juste revenir un peu pour ce que je disais ce vendredi à la veillée à ceux qui étaient là. Et j'ai montré à l'église que nous avons besoin d'avoir de vertu. Et j'expliquais c'est quoi une vertu. N'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là vendredi, c'est quoi une vertu? Parce que si Dieu a parlé de vertu, qu'il a donné de vertu à l'église, qu'il a donné de vertu à l'époux, à la femme naturelle, donc il doit y avoir une importance dans cela. Et je disais qu'une vertu, selon Luc 8, une vertu, c'est une force. Amen. Quand on parle d'une vertu, c'est-à-dire que c'est une force. Et dans notre message, la foi parfaite, Frère Bana a parlé de cela. Et à la base, si vous regardez dans la pyramide, c'est d'abord la foi, n'est-ce pas? Mais Paul dit, ajoutez à la foi la vertu, ainsi de suite, jusqu'à l'amour agapao. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, une vertu, c'est une force. C'est une puissance que Dieu donne. Et il nous a pris l'exemple de la femme naturelle. La femme, quand on parle de la femme, dans la Bible, on parle de l'église. Vous savez cela? À chaque fois que vous allez voir une femme, souvenez-vous de l'église. Parce qu'il dit, ce qui est dans le naturel, le naturel typifie le spirituel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous voyez un homme sur la terre, donc il y a un homme au ciel. Amen. Amen. Dites amen à ça? Amen. Hein? Quand vous voyez la lumière ici, naturelle, donc il y a une lumière qui, elle est surnaturelle. Naturelle. Amen.
Il t'amène à ça. Amen. Ce que nous voyons vient de quoi? De l'invisible. Amen. Amen. Donc, cela typifie qu'il y a une femme spirituelle. Or, à cette femme naturelle, Dieu a donné trois vertus. Nous le disons toujours ici, tout le temps. Trois vertus. Et les trois vertus que Dieu a données à la femme, nous avons lu, nous le savons, que premièrement, c'est quoi? C'est la virginité. Vous savez ça? C'est-à-dire que les femmes doivent le savoir que la virginité, c'est une puissance que Dieu vous a donnée. Amen. Est-ce que vous savez ça? C'est une puissance que Dieu vous a donnée. C'est une force que Dieu vous a donnée. Ça, c'est dans le naturel. Et vous savez comment la parole de Dieu nous recommande que la fille doit garder sa virginité. Elle doit aller à mariage vierge. Amen. Amen. Et nous avons vu en profondément voir qu'une femme qui va en mariage vierge, donc son mari ne l'oubliera jamais. C'est une puissance que Dieu vous a donnée. Mais quand vous l'avez brisée, la parole de Dieu nous montre comment il faut récupérer ça. Par la quoi? La confession. En disant votre mari. Il dit, c'est ce que nous faisons. C'est ce que l'église spirituelle fait. L'église est censée être vierge. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est-à-dire, aucun autre homme ne peut toucher à l'église. C'est-à-dire, nous ne devons pas avoir un autre Dieu. Amen. Amen. Mais quand on l'a, cette puissance a été brisée. C'est pourquoi quand on a brisé cette puissance, eh bien c'est la mort qui entre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et une femme qui va en mariage, qui a été déviergée, qui n'a jamais arrangé ça, son foyer ne sera jamais parfait. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et elle a brisé ça. C'est une puissance que Dieu vous a donnée, mais que vous avez brisée. La seule façon de remédier, confession. C'est comme nous les chrétiens. Dieu a créé l'homme pour appartenir à Jésus-Christ lui-même. Donc l'homme ne pouvait pas tourner ses regards à un astrologue. L'homme ne pouvait pas retourner ses regards à un féticheur, à un magicien, à un sorcier, pour aller demander ceci, à l'argent, pour aller demander des choses. Si on a brisé ces choses, quand on vient à Dieu, la première des choses, c'est de confesser ça. Amen. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est sur cette base-là que nous venons à Christ. Parce que nous avons brisé notre virginité. Mais quand vous venez et que vous ne confessez pas vos péchés à Christ, vous serez dans cet état-là. Christ ne peut jamais rien faire avec vous. Et beaucoup ne meurent dans cet état-là. Mais il vient à l'église. Mais ta vie, est-ce que tu l'as confessée? Ta vie passée, est-ce que tu es arrangée? Non, on ne devient pas comme ça. Parce qu'il nous faut une nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que notre première naissance, là, nous étions touchés dans le monde. Amen. Tous. Notre vie a été polluée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, quand tu ne confesses pas, tu viens, les autres, ils ne savent même pas le baptême, c'est quoi? Ils n'ont jamais. Vous direz, mais peut-être que le pasteur n'en parle pas. Non, nous en parlons. Et si vous avez des questions, venez voir votre pasteur. Frère Branham dit, une brebis dit sa vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. À son pasteur. Pasteur, voici ma vie. Voilà comment je suis. Voilà par où je suis passé. Voilà. C'est que le diable a fait. Le pasteur est pris pour vous. Si tu n'as jamais été baptisé dans l'eau, on t'amène aux eaux du baptême. C'est ça la confession. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que vous avez brisé votre virginité. Branham dit, une femme qui va en mariage, qui a été déviergée, mais qui entre dans le mariage, qui n'a jamais confessé à son mari. 10 ans après, si cet homme venait découvrir que tu l'avais menti, cet homme peut mettre fin, il te peut mettre dehors et prendre une autre femme. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit d'ailleurs le temps? Amen. Bon, mais les frères vont dire, ah,
donc là, non. N'oubliez pas que Dieu t'a pardonné toi aussi. Hein. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Tu peux pardonner, mais c'est ton droit de dire non, elle m'a fait mentir. Je le mets dehors. C'est la parole. Amen. Quand on vient à Christ et qu'on n'a pas confessé la parole de Dieu, on n'a pas confessé, Christ n'est pas obligé de nous prendre. Amen. Je peux dire amen à ça. Oui. Alors, or, c'est dire que la virginité pour l'Église comme pour la femme naturelle, c'est une puissance. Merci Seigneur. Amen. J'ai vu sur Internet une femme vendre sa virginité, une païenne, à des millions. Et des gens courent, des patrons, des riches de ce monde. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Hein? Il ne manque jamais de témoins. Parce que si on ne vous raconte pas des histoires, elle vend sa virginité. Il dit, bon, je suis vierge, j'ai 21 ans, je suis vierge, je vends ma virginité. L'homme qui... Et les gens courent, ils donnent de l'argent et c'est lui qui va choisir. C'est une grande puissance, la virginité. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans le naturel, c'est comme dans le spirituel. Et nous avons vu que la deuxième vertu que Dieu a donnée à la femme naturelle, c'est quoi? Hein? La féminité. C'est ça, n'est-ce pas? La féminité. C'est dit que Dieu a donné un caractère différent de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, au début, il était homme et femme. Mais quand ils viennent dans le naturel, Dieu les a déjà séparés. Vous savez ça? Mais Dieu a pris l'esprit féminin, il a mis sur qui? C'est la femme. Et l'esprit masculin sur l'homme. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi nous vous disons, la femme ne peut pas se comporter comme un homme. Quand la femme se comporte comme un homme, il y a perversion. Amen. Amen. Quelque part, quelque chose a été perverti. On a changé de rôle. Quand la femme s'habille comme un homme, qui vient en costume comme je suis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, vous ne le voyez pas dans des bureaux, dans des entreprises. Pas seulement... Non, en costume, une femme en costume. Est-ce que vous le voyez? Et les gens n'en parlent pas. Ça passe comme si c'est la modernité. Nous sommes dans le monde moderne. Mais non, c'est une perversion. Amen. Quand une femme parle comme un homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la femme veut être égale à l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Et personne ne changera ça. Je disais encore vendredi, à l'université, on parle de ce qu'on disait appelé, comment on appelle encore, j'ai parlé de ça le vendredi. Le plafond de verre. C'est, donc là, c'est un débat à l'université. On vous donne une citation, vous devez débattre. Quand on parle du plafond de verre pour la femme, ça veut dire quoi? Expliquer. Et donner des raisons et toutes ces choses. Plafond de verre. Vous voyez un plafond, mais le plafond, comme là, vous voyez qu'il y a des miroirs. Tu peux voir là en haut, mais tu ne peux pas sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a ces verres-là qui vous bloquent. Mais tu vois quand même dehors. La femme, c'est ainsi. Elle voudra faire des choses, mais la nature, sa façon, sa biologie, tout ça, ne lui permet pas de faire les choses comme un homme. Ils n'arriveront jamais. Même s'ils disent, on va mettre des quotas. Non, on va mettre 10 des ministres, 10 hommes, 10 femmes. Frère, au bout d'une année, il y aura au moins 4 ou 5 femmes qui abandonneront. C'est ça. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non. Mais les femmes, si elles tombent enceintes, mais c'est fini, le travail est fini. Déjà, ça commence. Non, aujourd'hui, je ne sais pas sortir. Mais le travail d'attend. Tu ne peux pas. Oh non, je ne sais pas. Je ne veux pas faire ceci. Je ne sais pas faire cela. Voyez, il y a des choses naturelles qui l'empêchent à faire ce qu'elle peut faire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne changera pas la parole de Dieu. Peu importe, tous les efforts qu'ils feront, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pas parce que l'homme ne veut pas ou la femme ne veut pas, mais sa façon, sa nature ne lui permet pas de faire les choses comme un homme. Amen. Impossible.
c'est Dieu qui a dit ça. Que toi, lui, il fera quoi? Il dominera sur toi. La féminité, c'est une puissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais à l'église spirituelle, Dieu a donné, c'est ce que j'avais écrit ici, ça c'est dans les naturels, à la femme naturelle, il a donné la virginité sacrée, la féminité sacrée, et la troisième nous avons, c'était quoi? La maternité sacrée. Mais à la femme spirituelle, qui est l'église, l'église, Dieu aussi a donné trois vertus, c'est-à-dire trois puissances, comme à la femme naturelle. Et ici, la troisième, c'était la maternité sacrée. Branham explique c'est quoi la maternité sacrée. Toute femme voudra avoir un enfant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Une femme qui est née femme, hein, ce n'est pas je ne sais pas, de vos choses là, aujourd'hui qu'on parle des transistes, des transsexuels, des, hein, beaucoup de choses. Hein. Mmh. Vous voyez un homme, mais en fait, hein, beaucoup, hein, c'est une femme. Vous voyez une femme, mais en fait, c'est un homme. Mmh. La perversion. Mmh. Mais une femme, née une femme, voudra avoir des enfants. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est pour ça que Dieu vous a mis là, pour la multiplication. Mais quand on ne veut pas avoir des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux trouver des raisons. Une femme voudrait avoir. Et une femme qui n'a pas d'enfant, elle pleure tous les jours pour avoir un enfant. C'est ça la nature de la femme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même Branham dit que la maternité, ça, que ça veut dire que quand Dieu te donne un enfant, pas seulement qu'avoir d'enfanter un enfant, et tu laisses faire cet enfant tout ce que tu veux. Tu l'abandonnes dans la rue. Elle peut faire ce qu'elle veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Mais de prendre cet enfant-là, comme nous venons de le voir tout à l'heure, de venir avec cet enfant et de le consacrer à qui? À Dieu. C'est une grande puissance. Amen. Les gens combattront. Le diable combattra cet enfant. Il combattra cela, mais il a en lui, cet enfant, une puissance. Amen. De Dieu qui la gardera toujours. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Une bonne mère amène toujours ses enfants où? À l'église. Et une bonne mère en Israël, le 8e jour déjà, ils viennent là. Frère Branham dit que tout. Donc tu vas voir des fils et des fils des parents qui amènent les enfants pour qu'on puisse les concentrer. Parce qu'ils connaissent, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans cette concentration-là. Amen. Et vous pensez que le diable prend vos enfants dans des écoles, des enfants qu'ils les consacrent dans leur monde pour rien? Parce qu'ils savent. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il a aussi donné à l'église spirituelle trois vertus. Ça veut dire quoi, vertu? Qui peut répondre? Une puissance. C'est-à-dire que Dieu aussi nous a donné à l'église trois puissances. Amen. Un jour, on en parlera. Frère Madame dit trois puissances et cinq identifications. Cinq identifications qui identifient la vraie église. Amen. Il y en a cinq. Mm-hmm. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Trois, cinq identifications et trois puissances. Vertu, ça veut dire puissance, ça veut dire force. La première de ce qu'il donne à l'église spirituelle, c'est la parole. Une église qui n'a pas la parole de son jour, c'est une église sans puissance. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Allez voir les pentecôtistes aujourd'hui. Allez voir les dénominationnels aujourd'hui. Pourquoi? Ils vous disent, nous lisons la Bible, mais nous, on ne lit pas la Bible comme les pentecôtistes. Nous lisons la Bible du jour. Amen. Le message du jour. Amen. La parole du jour. Amen. C'est là où il y a la puissance. Amen. Et dans cette parole, il y a la puissance de guérison avec elle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La parole. Voilà l'église d'abord, la puissance. C'est dit que la parole, c'est une puissance que Dieu nous donne. Amen. Jésus a gagné le diable par la parole. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen.
Le diable vient. Non, tu peux faire ceci. Jésus dit, bon, la Bible dit aussi ça, 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 ça. La parole. Au temps opportun. La parole du jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est une vertu, c'est une puissance que Dieu a donnée à l'Église. En second lieu, il donne quoi? La prière. La prière. Dieu donne la prière comme une quoi? Une puissance pour l'Église. Pas seulement pour l'Église en tant qu'Église locale, mais en tant même individu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je disais vendredi, voilà pourquoi les gens ne viennent pas à l'Église quand nous avons veillé de prière. Merci Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, là, quand nous avons veillé de prière, il y a moins de gens. Ils ne viennent pas. Pourquoi? Mais parce que le diable sait que quand vous priez, vous êtes fort. Amen. Une église qui prie, c'est une église forte. Amen. Un homme qui prie, c'est un homme fort. Amen. De petites tentations, vous ne tomberez pas. Amen. Vous n'allez pas succomber aux petits trucs, aux petits pièges du diable. Amen. Dites amen à ça. Amen. La prière. Merci, une force. Une ouverture. Merci. Voilà pourquoi tu ne viens pas prier. C'est vrai, pasteur. Amen. Quand on dit ici, frère, on va prier. Les gens fuient. Ils ne viennent pas. Juste un peu. Et ce vendredi, comme je le disais, quand nous appliquons la parole, quand nous avons la parole, amen, et nous prions, Dieu doit confirmer ça. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pour ceux qui étaient là vendredi, mais c'était terrible ici. Amen. Hein? Amen. C'était terrible. Hein? Je vous dis la vérité. Amen. Ceux qui étaient là vendredi, non. On dit, oh, Dieu, il fait ces choses à sa façon. Amen. Là où vous ne nous attendez pas. Amen. Et Dieu fait des merveilles. Amen. Parce que quand on plaçait la parole, est-ce que vous dites amen à ça? Et que cette parole est la vérité, Dieu est dans l'obligation de faire quoi? De confirmer cette parole. Amen. Donnons une acclamation. Dieu doit confirmer sa parole. Il doit montrer que je suis là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la parole ne consiste pas à parler, non. Mais il faut aussi voir les œuvres, la démonstration de cette parole. Amen. Qui prouve réellement que nous sommes en train de parler de la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand la parole est bien placée, les esprits sont unis. Dieu confirme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La prière, c'est une force. Voilà pourquoi le diable vous éloigne de la prière. Parce qu'il sait que c'est une force en vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens ne viennent pas. Ils disent, oh non, mais nous, regardez. Madame dit ici quelque part. Il dit, mais quand vous faites des choses de cette manière, selon la parole, vous allez récolter ça. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? C'est dit que quand vous plantez, vous semez. Les haricots, vous vous attendez à récolter quoi? Les haricots. Et c'est-à-dire c'est une obligation. C'est une obligation. Tu as semé les haricots, tu dois récolter les haricots. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça peut prendre un peu de temps, mais tu vas récolter. Amen. Mais n'oubliez pas que quand vous semez aussi du blé, ou quand tu sèmes des livrets, ça va produire quoi? Des livrets. Merci Jésus. Amen. Ne négligez rien, frère. Merci papa. Amen. Tout ce que vous faites en bien ou en mal. Mauvais, donne-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Tout ce que vous semez, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ce que tu fais. Même, ce n'est même pas important que les gens te voient ou pas.
Ce que tu fais du bien dans le secret, tu vas récolter ça. Amen. Que tu le fasses en public, tu vas faire quoi? Tu vas récolter. Mais ça dépend de ce que tu sèmes. Amen. Jésus. Amen. Parce que la loi de la nature fera que. Amen. J'ai semé du bien, je dois récolter du bien. Et si j'ai semé du mal, je dois récolter le mal. C'est la loi de la nature. Et Dieu ne paie rien pour ça. Vous êtes avec moi? Dieu ne paie rien contre ça, c'est sa loi. Il fera cela. Excusez-moi. Frère Madame lit ici d'abord, je vais vous lire quelque chose ici. Merci Seigneur. Non, excusez-moi, c'est pas ça. C'est ici. Vous êtes avec moi? Amen. D'abord, dans ce message ici, la flèche de l'indivance, le titre, frère Gédéon, c'est la flèche. La flèche de délivrance de Dieu tirée d'un arc. Frère Madame lit au paragraphe 16. Si Dieu fait une promesse, Amen. Si Dieu fait une promesse, de quoi que ce soit, Dieu gardera cette promesse. Quand vous et moi faisons une promesse, nous pouvons manquer à notre promesse parce que nous ne voulons pas la tenir. Mais parfois, ce sont des circonstances qui nous empêchent. Écoutez très bien. Pour un homme, moi en tant qu'un homme, je peux vous donner une promesse. N'est-ce pas? Amen. Et je veux bien le faire. Je veux vraiment, je t'ai promis, frère, je te donne 10 euros demain, après le culte. Ou lundi, je vais aller à la banque, je vais te donner 20 euros. Vraiment, j'ai envie de te donner. Mais, frère madame dit, ça peut que je vais à la banque avec toute ma volonté. Je mets ma carte, ils ont pris des dettes, l'argent ne plus. Vous voyez, n'est-ce pas? Une circonstance fait que je ne peux pas te donner ce que j'étais promis. Amen. Mais écoutez bien, frère. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites ça? Amen. Donc Dieu ne peut pas aller à la banque et qu'il n'y ait rien. Quand il t'a promis 20 euros, Amen. Demain tu auras 20 euros. Amen. Parce que lui, il est le créateur de tout ça. Il tient à sa promesse. Amen. Et nous les croyants, ça veut dire, Frère Bernard est en train de nous montrer que quand Dieu a promis dans sa parole, par mes maîtrisures, vous êtes guéri. Donc ça ne peut pas être autrement. Que ce que Dieu a fait. Amen. Mais nous, je peux avoir la volonté de te donner, mais des circonstances font que je ne le réalise pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Branham dit, un homme sensé, amen, il dira, mon frère, je t'avais promis ça, mais j'ai eu un petit problème. Écoutez-moi très bien, frère. Ne négligez rien. Merci Jésus, amen. Je t'avais promis, mais j'ai eu un petit retard. C'est ce que même que vous voyez avec l'état des factures que nous avons, de l'état, des huissiers et toutes ces choses-là. Tu as promis que je vais payer par mois 100 et que tu n'arrives pas à payer 100. Allez voir l'huissier, dit vraiment, j'ai eu du mal à payer, voici, j'ai eu des problèmes, aide-moi que je puisse encore payer. Mais si vous ne dites rien, c'est la sentence qui va suivre. Ouais. Oh, vous devez savoir que le monde ne copie que ce que Dieu fait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu c'est pareil, mais nous négligeons à Dieu parce qu'on pense que Dieu, je ne le vois pas. Mais Dieu, il est là avec vous tous les jours. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous voyez? Donc, la différence est que Dieu, quand il a donné une promesse, ça ne peut pas manquer. Amen. Nous devons le croire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, frère madame dit ici, souvenez-vous, mes frères et sœurs, au paragraphe, c'est 20 à la fin. Vous moissonnerez ce que vous semez. Amen. Dites amen à ça? C'est la loi de la nature.
Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Amen. Tu sèmes le bien, et bien tu recevras le bien. Amen. Tu sèmes le mal, et bien tu vas récolter le mal. Amen. C'est une loi que Dieu lui-même ne peut rien. Amen. Dis amen à ça. Amen. Dieu ne peut pas changer ça pour toi. C'est sa loi. Voyez, vous moissonnerez ce que vous sèmez. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de la nature de Dieu. Vous moissonnez ce que vous sèmez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous? Il dit que ceci soit un avertissement pour vous qui êtes ici à Agapao Tabernacle. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Un avertissement. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, écoutez. Amen. Il t'amène à ça? Amen. La meilleure chose à faire pour vous les gens aux alentours d'Agapao et partout, c'est de continuer la réunion de prière à l'ancienne mode. Amen. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Il t'amène à ça? Amen. À l'ancienne mode. Où des gens venaient unis. Nous l'avons vu l'autre jour vendredi. Amen. D'un seul, d'un commun accord. Unis. À la, chantant comme à l'ancienne mode. L'ancienne mode. Comment les choses se passaient à la Pentecôte. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Où des gens venaient là comme un seul homme. Chantant, louant. Les gens s'aimant. Pas quelqu'un l'autre ne peut pas voir l'autre. Ne peut pas parler à l'autre dans la même église. Non. À l'ancienne mode, continuez à prier, n'est-ce pas? Continuez avec des réunions de prière à l'ancienne mode. Et de garder l'unité de l'esprit. Amen. Amen. De continuer à regarder en haut et de veiller à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuez dans des réunions de prière, n'est-ce pas? Gardez l'unité de l'esprit en regardant haut, en haut. Vers la seconde venue de qui? De Jésus. Voilà ce que l'Église peut faire. Mais quand vous regardez à gauche, quand vous regardez à droite, vous écoutez à droite, vous écoutez ici, voilà comment l'homme est ballotté dans tous les sens. Merci Seigneur Jésus. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La prière, donc, c'est une force. Yes. C'est une puissance. Merci Jésus. Amen. Et vous dites, non, mais dans la maison, beaucoup de choses. Mais combien tu pries dans ta maison? Combien vous priez dans vos maisons? Vous ne priez pas dans vos maisons. On vous donne l'occasion de venir prier, vous ne venez pas. Et quand des choses arrivent, quand des choses tournent mal, ah non, c'est l'église. Ah non, c'est le pasteur. Non, c'est frère tel, c'est sœur tel. C'est papa, c'est maman. Non. Amen. Tu dois t'accuser toi-même. Amen. Tu es à la base de ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu es à la base de tes souffrances. Tu es à la base de ton bonheur. Alléluia. Merci, pasteur. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous critiquez, beaucoup de gens critiquent. Remarquez que quand quelqu'un critique une personne, il ne parlera pas du bien de cette personne. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est vrai. Ah non, je suis allé chez lui, on était ensemble, il faisait ceci, mais bon, il ne m'a même pas donné à manger. Il préparait et moi je regardais. Mais le jour où tu as mangé, il ne dira pas. Est-ce que vous savez ça? Donc, il prend que le mal. N'est-ce pas? Oh non, il fallait que je fasse ceci, voyez-vous, et il m'a fait ceci, il m'a dragué, il t'a dragué, il t'a dragué, mais comment il est arrivé à te draguer? Tu vois, tu es arrivé là, comment? Ça, il ne te dira pas. Ouais. Peut-être que c'est toi qui es allé lui flatter. Non, non, tu peux avoir dit, héros, héros, chéri. Maintenant, lui, il prend l'occasion de te draguer. Voilà. Mais quand il va te critiquer, il ne va pas parler de ça. Non, non, non. Il montre la mauvaise chose. Parce qu'il veut critiquer. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi avant de parler quelque chose, hein, examine-toi toi-même. Tu vas cacher à ton ami. Mais c'est toi qui es allé lui demander de l'argent. C'est toi qui es allé lui demander de ceci.
c'est toi qui es allé me parler de ceci. Là, il cache ça. Et nous avons vu dimanche, pardon, vendredi. Frère, quand vous voulez prier pour quelqu'un, dites amen à ça. Parce que la prière, c'est une force. Frère Balaam nous a montré l'exemple. Parlez du bien de cette personne. Pour que Dieu vous aime. Il a pris l'exemple de sa femme. Il a dit, Seigneur, cette femme ici, c'est elle qui prépare pour moi. Cette femme, c'est elle qui lave mes habits, qui repasse mes habits, qui soigne mes habits. Amen. Si tu me la lèves, moi je vais devenir quoi? Amen. Même si la sœur avait fait une faute. Mais à cause de ta prière, Dieu regarde, oh, à cause de mon fils, allez, je lui redonne la santé. Amen. Amen. Quand tu pries pour ton pasteur, quand tu pries pour ton frère, pour ton père, pour qui que ce soit, ton ami, ne regarde pas le mal qu'il t'a fait. Amen. Présente à lui le bien. Amen. Dis, cette sœur-là, mais cette sœur-là, oh là là, mais c'est elle qui m'amène ici des jus à boire à l'église. C'est elle qui m'amène du pain ici. C'est elle qui nettoie l'église. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui fait cela. Quand Dieu regarde ça, oh, est-ce que vous avez ça? Amen. Dieu répond. Ne présente jamais du mal de ton frère. Amen. Quand ton frère, et tu veux prier, pour prier pour quelqu'un, frère, tu dois le mettre à ta place, à sa place. Oublie-le, même s'il t'a fait du mal. Présente-le le bien que cet homme t'a fait. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, c'est un bon monsieur. Il est gentil. L'autre jour, il m'a amené dans sa voiture. Il pleuvait dehors. Seigneur, souviens-toi même pour ça. Amen. L'autre jour, je suis allé dans sa maison. Il m'a donné même un verre d'eau. Seigneur, souviens de cette sœur à cause de ça. Amen. Et je vous dis, même si la personne a fait du mal, Dieu va exaucer la prière. Amen. Je vais vous montrer dans les messages que nous voulons voir là. Comment ces rois, hein, Joas, et qui est venu de lui, comment ces rois-là, Joas, qui était dans un état rétrograde, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Était dans un état rétrograde. Et il faisait le report, quoi, c'est le fils d'Akab, la suite, vous savez l'histoire. Comment cette roi, en tant que le prophète Élisée était malade, et il est allé là-bas pour le voir, pour le visiter. Il était, lui, dans un état rétrograde. C'est ça, Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il va y reconnaître le serviteur de Dieu. Amen. Le respect au serviteur de Dieu. Les gens peuvent se poser, mais le prophète malade, oui. Dites amen à ça. Amen. Mais c'est un roi, rétrograde, qui va le visiter. Et quand il arrive là, il commence à pleurer sur le roi pour dire, oh, mon roi, mon père, char d'Israël. Jusque là, je ne savais pas c'est quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire, mon père, char d'Israël? Ça l'aime, il dit sourire, parce que je dis, c'est de quoi je parle. Son père, on l'appelait char d'Israël. Mais sans le savoir, c'est quoi char d'Israël? Il a commencé à pleurer sur ces rois-là. Oh, char d'Israël. Oh, mon père, char d'Israël. Balaam dit, il a respecté les serviteurs de Dieu. Il était, hein, envahi. Il est là. Le pays était entouré par les Syriens. Frère, à chaque fois que l'homme revient dans un état de rétrograde, ce sont les ennemis qui vous envahissent. Amen. 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 Vous savez, le message, je peux le résumer à ça. Et au pire, on fait mon part. Quand vous êtes dans un état de rétrograde, ne vous en faites pas. L'ennemi t'envahit. L'ennemi t'entoure. Amen. Ce roi-là était dans cet état-là. Hein? Il était dans cet état-là. Les Syriens avaient entouré le pays. Mais quand il a reconnu les serviteurs de Dieu, il a respecté les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. C'est là qu'il dira. Élisée dira, ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il dit, prends et
une flèche. C'est ça le titre. Hein? Amen. Prends une flèche et tire la flèche vers l'est. Le bonhomme dit, l'est, c'est là où viendra Christ. Amen. Amen. Tire la flèche. Aussi loin que tu peux tirer avec tes forces. Il a pris, il a tiré la flèche. Il a dit avec ça, tu frappes sur la terre. Frappe autant de fois. Lui, il a frappé trois fois. Pa, 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 pa. Il s'est arrêté. Alors le prophète lui dit, à cause de ce que tu as fait là, tu vas gagner la guerre contre les Syriens. Alléluia. Dans un état de rétrograde, amen. Quand tu t'humilies, Dieu te délivre. Amen. Petit Yémi. Tu vous croyez à ça? Amen. Quand tu t'humilies, peu importe dans quel état, tu t'humilies devant Dieu. Dieu te délivre. Amen. Les secrets résident en ça. Amen. Les gens qui n'étaient pas vendus se posent des questions. Voilà pourquoi vous fouillez l'église. Il y a eu des choses ici, moi, amen. Des choses terribles. C'est ça, pasteur. Hein? Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on n'avait pas filmé. C'est des sauts. Amen. C'est des sauts. Amen. Il y a que les airs qui te coupent. Amen. Comment la parole, Seigneur? Joès s'est humilié devant le roi, devant le prophète. Et Dieu a délivré son pays. Il a dit, mais il fallait. Élisée dit à Joès, il dit, mais pourquoi tu t'es arrêté à trois fois seulement? Tu vas gagner de trois batailles. Alléluia. Donc ta délivrance dépend de combien toi tu veux être gagné, combien la taille tu veux. Ah non, si tu veux que Dieu te délivre de toutes les choses, alors pour toutes les choses tu dois les mettre en place. Il y a des gens qui disent, bon Seigneur, délivre-moi du vin. Bon, et bien ça va se limiter au vin. Amen. Délivre-moi, par exemple, les convoitises, et bien ça va se limiter aux convoitises. Délivre-moi des mensonges, hein, et ça va se limiter là. Mais si tu dis, Seigneur, je veux la délivrance totale. Amen. Amen. Une délivrance totale. C'est délivre tout. Il reproche à ça, mais pourquoi tu t'es arrêté qu'à toi? Alors tu vas avoir que trois victoires. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire ça dépend de toi. Amen. Amen. Seigneur. Est-ce que vous dites avec ça? Ça dépend de toi. Ce roi-là, n'est-ce pas, est retourné dans sa maison avec la victoire. Maintenant, c'est à cause de l'humiliation, de s'humilier, le respect. Le respect. Dieu, Branham dit le respect à Dieu. Ce roi-là, il avait dit Dieu. Non. Hein? Non. Alléluia. Mais pourquoi Dieu pouvait. Frère, pourquoi Dieu pouvait faire ça? Il n'a pas vu Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens pensent. Alors, frère, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il était un roi. Un roi rétrograde. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, remarquez que. Il dit ici, à table. Non, non, à partir d'ici. Paragraphe 25. Il dit. Il était un croyant frontalier. C'est ça. Vous savez, vous connaissez les chrétiens frontaliers. Amen. Le roi Joas, c'était un homme. Allons à gauche, il va à gauche. Allons à droite, il va à droite. Non, roi, on va aller par ici. Allez, il tourne la tête. C'était un homme qui faisait des compromis à tout. Voilà. Ah. C'est ça. Est-ce qu'on dit ça? Amen. Un chrétien frontalier. Allons dans le clair de nuit. Il va au clair, à la clair de nuit. Non, demain nous allons partir à l'église. Bon, il vient à l'église. Frontalier. Amen. Non, demain, on va aller visiter notre ami là qui va fêter son anniversaire. Il a invité Kofi Olomide. Ah, il va aussi là-bas. Non, demain dimanche.
T'interdit, va chanter. Chrétiens, sont Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est comme Saint Joas. Branham dit, voyez-vous, regardez, tous les noms sont venus après à Akab, des croyants frontaliers. Tous les noms là-bas. Après que cet Akab y a quitté la scène, alors un autre prit sa place. Un autre dit ce que veut le roi Joas. Un chrétien frontalier. Il était le roi en ce temps. Et il était un prédicateur, ou plutôt un croyant tiède. N'est-ce pas? Un croyant tiède. C'est le signe de l'âge dans lequel nous vivons. Tiède. Mais Dieu a dit, le tiède, Dieu n'a pas besoin de ça. Il va vous vomir. Frère Branham dit, vous savez, quand vous voulez prendre du lait, prenez du lait chaud ou froid. Allez essayer ce soir. Vous allez voir. Prenez du lait, mettez dans juste dans le corps quelques minutes, ça devient tiède. Buvez ça, vous allez vomir. C'est soit froid ou chaud. Pas tiède. Et Dieu a dit que dans cet âge ici, il va faire quoi? Il va vomir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère que je vois là, c'est le frère? Oui. Oui, c'est le frère? Caleb. Caleb. Oui. Ah. Tu es déjà venu ici? Oui. Okay. D'Anvers. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Quand vous prenez du lait chaud, c'est bien. Mm-hmm. Du lait froid, c'est bien. Tiède, ça vous fait vomir. Dieu dit, c'est comme ça qu'il vomit les chrétiens tiers. Amen. Qui, ni à gauche, ni à droite. Fait qu'il doit prendre une position. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ouais, vous êtes un croyant tiers, un frontalier. Peu importe ce que ce peuple voulait faire, cela a été très bien avec Joas, voyez? Il a enlevé quelques hauts lieux, là où se faisait l'adoration païenne. Et il fit quelque chose de ces choses. Mais il ne s'éloigna pas des péchés de son père et des choses de ce genre. Voyez-vous? Il allait, c'est la direction qu'il voulait aussi suivre. Partout où il lui appelait, il faisait la même chose. Jusqu'à quand vous allez tanguer, comme on dit, choisissez soit vous voulez Dieu, soit vous voulez le monde. Frère, ma frère, voix, frère, est-ce que vous avez vu ici dans le monde, ici, et occidentaux, toutes ces choses? Ici, l'air Dieu, c'est l'argent. Ah, ça m'a fait réfléchir. Ici, les occidentaux, l'air Dieu, c'est quoi? C'est l'argent. Maman. Il dit, regarde, tout tourne autour de l'argent. Ils sont capables de tuer. Ils tournent dans le monde entier à cause de l'argent. Oui, ils tuent tout ce qui mettra les barrières sur leur chemin. Pour l'argent. Ils en veulent emmagasiner ici, des banques, de ceci, de ça. Pour l'argent. L'air Dieu, c'est maman. Quand Dieu a dit quelque chose, cela est vrai. Amen. Vous devez choisir entre Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir des maîtres à la fois. Ça se maman, il peut tuer à cause de l'argent. Frère, des héros pour te donner. Vous blaguez, frère. Parce que vous le connaissez, vous le savez. Et ils savent la valeur de cet argent-là. C'est pourquoi ils font 10 centimes. Moi, je vous ai raconté ici 10 centimes dans un magasin, une boulangerie. J'entre là, affamé là. Bon, en France, on peut vendre des baguettes. Demi baguettes, on ne coupe pas 1,50€. Je dis, j'ai des cartes dans la poche, 1€. Je dis, madame, il me manque 5. Un monsieur, il prend les baguettes, il les remet dans les cassettes. Je dis, mais frère, vous ne rêvez pas. Il dit, mais frère, il y a des gens qui sont derrière. Mais il ne donne pas. Et je suis sorti dans ce magasin, j'étais affamé, j'ai dit, oh Seigneur. Mais moi, je vous dis, j'entre dans le magasin, je vois quelqu'un devant moi, il est en train de chercher des pièces. Des pièces. Combien? Il y a des hommes là, je ne veux pas entrer. Je vous dis la vérité. J'ai dit, mais
ils adorent l'argent. Merci Seigneur. L'argent. Ouais. Merci Seigneur. Il t'amène à ça. Joël, c'était de ce genre. Comment on appelle un chrétien frontalier. Voyez-vous? Voyez? Il était. Il dit au paragraphe 29. Il dit, oh, quel jour dans lequel nous vivons comme les jours de Joas. Un croyant frontalier, mi-chemin, tiède, emporté, ballotté du vent, des nuages sans pluie. Emporté. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. N'apprenant jamais. Il t'amène à ça? Amen. Ils ne veulent pas apprendre. Quand vous dites, frère, regarde ce que la parole de Dieu dit, non. Je parle de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? N'étant pas capable d'atteindre la connaissance de la vérité, ne soyez pas ballotté par quoi que ce soit. Ne soyez pas emporté par ce que vous voyez. Amen. Ce que vous voyez à la télévision. Amen. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Les gens se comprennent à ce qu'on voit là-bas. Frère Banham me dit, c'est la porte de Hollywood. Mm. Est-ce que vous savez ça? Amen. Hollywood, c'est le type de l'enfer. Amen. Sur terre. Amen. 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 Ça, c'est vrai. Amen. Il t'appelle à ça? Amen. 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 Ne vous comparez pas à des choses que vous voyez à la télévision. Ne soyez pas ballotté par quoi que ce soit. Ne soyez pas emporté par ce que vous voyez à la télévision. Pourquoi aujourd'hui certains chrétiens restent à la maison les mercredis soirs pour regarder la télévision? Suzy, aujourd'hui il y a un film que les jeunes, surtout les soeurs, ne s'en passent pas. Le fait de l'amour. C'est ça, frère. Le fait de quoi? De l'amour. Frère, dans ces choses-là, on ne parle que des choses du monde, des vanités. Comment cet homme-là, il a trompé la sœur de sa femme? Comment le beau-frère haït la femme de sa sœur? Comment celui. Donc, du tripotage terrible. Maintenant, quand vous regardez ces choses, voilà pourquoi vous tombez avec vos, tout ce que vous voyez tout autour de vous. Ce sont des esprits. Et ne faut que ça te tuer avec du poisson. Un jour, ça ne sera pas un truc à te prendre du poisson, tu mets à ton fils, petit-fils, que tu mets à ton mari, que tu mets à ta femme. C'est ça, ce sont des esprits. Des esprits, pasteur. Oui, 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 oui. Amen. Amen. Je vous dis d'amener ça. Amen. Ce sont des choses que vous regardez. Et votre âme est nourrie avec ce que vous regardez. Amen. Vous croyez au prophète? Amen. C'est cela qui nourrit votre âme. Frère, le ciel. Pour le mériter. Frère, ce corps ici ne va pas hériter le ciel. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et c'est votre âme. Amen. Ça c'est vrai. De quoi vous nourrissez votre âme? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'État, frère, vous savez, c'est pas ce que vous pouvez avoir ici, l'argent, les deux femmes, des hommes, de richesses et toutes ces choses-là que vous avez amené au ciel. Non. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous voyez, Branham dit, écoutez, je suis au paragraphe 29. Ne soyez pas ballotté par quoi que ce soit. Ne soyez pas emporté par ce que vous voyez à la télévision. Voyez-vous, si chrétiens disent, reste à la maison pour regarder à la télévision, vous savez que c'est la vérité. Amen. Vous savez que c'est la porte d'entrée de tout Hollywood. Amen, amen, amen. La télévision. Oui. Dites amen à ça. Amen. C'est la porte d'entrée de tout Hollywood. De tout Hollywood, là-bas. Et qu'est-ce que vous voyez là-bas? Voyez? Il dit, laissez-moi vous dire, Life Tabernacle. Aujourd'hui, je dis, laissez-moi vous dire, Agapao Tabernacle. Amen. Lorsque je vois certains d'entre vous, femmes, commencer à mettre des maquillages et des choses comme les restes des femmes du monde, cela me tue presque lorsque je vois cela. Amen. Merci
Dites amen à ça. Nous venons de dire que Hollywood, sa porte d'entrée, c'est quoi? C'est là? La télévision. Vous regardez la mode à la télévision. Parmi ce que vous voyez à la télévision, le ma quoi? Le maquillage. Vient de où? Hollywood. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse, pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça vient de Hollywood. Amen. Merci, Seigneur. C'est l'entrée de l'enfer. Amen. 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 Deux voix, les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez, il y a seulement une femme dans la Bible qui ne se soit jamais fardée. Amen. Vous savez cela? Amen. Vous ne fardez pas votre visage pour rencontrer Dieu. Non, monsieur. Amen. 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 Est-ce que... Tu te mets devant ton miroir là, tu commences à faire ça, tu penses c'est pour aller voir Dieu? Non. Pour quelle bite derrière que vous faites cela? Pourquoi? Vous pouvez répondre, soeur? Pour les chiens. Hein? Pour des soeurs? Non, nous sommes entre nous, soeurs. Pour devenir belle. Ça, c'est la première pensée. Pour devenir belle. Pour devenir belle, pour attirer qui? Répondez, les soeurs. Personne. Hein? Les personne. Ah non, ne mentez pas, nous sommes à l'église. Hein? Pour attirer quoi? Branham dit, vous ne vous maquillez pas pour aller rencontrer Dieu. Il y a des saints qui font même semblant. Pour venir à l'église, il ne va pas se maquiller. Bon, lui, il a eu quand même un peu de lumière. Il sait que non, à l'église, il ne peut pas aller avec maquillage. Mais quand ils sont dehors, allez, maquillage. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu t'a fait si belle. Pourquoi vous gâchez votre peau? Ah, vous voulez devenir jaune, vous voulez devenir vert, vous voulez devenir ceci, au lieu de garder la nature que Dieu vous a fait. Si vous avez une raison, parce que Branham dit ça, si j'ai un pied et que j'ajoute un autre pied, quelqu'un peut dire d'amener ça. Là, je deviens un monstre. Mais si on m'a coupé les pieds, je prends un pied, je mets, même Dieu sait que j'ai une raison de les mettre. Dieu ne va pas me condamner pour ça. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amener ça. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Tu le fais pourquoi? Quelle est la raison qui te pousse à mettre le maquillage? Pour être belle, alors, bon, il y a des soeurs qui disent, non, 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 par exemple, j'ai un bibo ici, j'ai une tache ici qui est noire, ceci, alors je cache un peu ça. Mais de toute façon, ton cœur le sait pourquoi tu le fais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je vous lis le prophète. Vous ne fardez pas votre visage pour rencontrer Dieu. Amen. Vous le faites pour rencontrer des hommes. Amen. Merci Seigneur. Correct. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Et la femme qui fit cela, Dieu la donna à pâtir au chien. Amen. Noir. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dites amen à ça. Amen. La femme qui fit cela, Dieu le donna où? Partir au chien. Allez lire la Bible, vous allez voir comment cette femme, Jézabel, la première femme qui s'est fardée, c'était Jézabel. C'était une païenne. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et elle s'est fardée pourquoi? C'était pour se cacher. Et Branham va plus loin. Il dit il voulait attirer les hommes. Ah, je me suis dit, même là, en fuyant, Branham dit qu'il voulait attirer l'homme. Il pensait que, comme c'était une prostituée, et les prostituées, ils s'en foutent. Hein. Ouais, même dans les toilettes, ils le font. C'est choquant, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Vous voulez que je dise, hein? Amen. Frère Branham dit, écoutez, voyez, il les donna aux chiens. Ainsi, lorsque vous mettez les maquillages, souvenez-vous seulement, Dieu vous a changé à une viande pour le chien. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen.
Dieu ne change pas sa parole. Amen. Ça, si tu es fille de Dieu, avant que demain matin tu puisses mettre les fardes là, avant d'aller à l'église, à l'avant, avant d'aller à l'école ou au travail, souviens-toi de ce que tu venais de lire. Amen. En fait, je mets ça pour quoi? Pose-toi cette question. Je mets ça pour quoi? Miséricorde. Tu as une raison? Si tu as une raison, Dieu sait. Mais si tu n'as pas une raison valable, ne les mettez pas. Est-ce que j'ai dit la vérité? La première femme qui a fait ça, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu l'a donné en pâture au chien. Elle est devenue une viande au chien. Et dans des messages précédents, je vous ai expliqué c'est quoi la viande au chien. Pourquoi on a du. Branham appelle ça la viande au chien. Il dit la Jézabel naturelle. Quand elle s'est fardée, elle était. Le royaume était déjà indépendant. C'était la fin des règnes. Chacun prenait sa. Sa direction. Ils étaient en fuite. Dites amen à ça. Amen. L'armée de l'Éternel était derrière. Elle est montée dans une chambre là pour se cacher. Mais bon, ici, donnez-moi de la poudre, donnez-moi de ceci. Pour que le général qui va monter ne puisse pas me reconnaître. Pour changer de forme, tu deviens une autre personne. Mais ne t'en fais pas, Dieu te connaît. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il est monté. Il s'est caché. Et le général est arrivé en bas. Il a dit, bon, il est monté ici. Allez, vous qui êtes avec moi, qui sont dans cette pièce, jetez-moi cette femme-là à la fenêtre. Là. Vous avez déjà dit ça dans la Bible? Amen. Et les disciples qui étaient là, on l'a pris, on l'a jeté par la fenêtre. Elle est tombée par terre. Elle est morte. N'est-ce pas? Morte. Alors le général dit bon, elle est morte. Bon, laissez-la là. Allons-y. On l'a laissée là. Il fallait que la prophétie qu'il y avait donnée puisse s'accomplir. Amen. Ça c'est vrai. Qu'elle serait mangée par le chien. Ils sont partis. Ils arrivent quelque part. Le chien s'est soupiré. Bon, quand même, c'était une reine. Hein. Alors, il envoie aller prendre quand même son corps pour aller l'enterrer. Il revient, il dit, oh, mais les chiens l'ont déjà mangé. Il ne sait que les crânes et les pommes des mers. Et Branham dit, il fallait que la prophétie. Amen. C'est pourquoi Dieu avait empêché au général là de l'enterrer sur place. Il fallait d'abord que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Parce que la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Amen. Ils sont venus au général. Ils disent, oh, mais mon général, elle a été déjà mangée par des chiens. Oh, bon, c'est pas grave. Allons-y. Ils ont continué. C'est là que Jézabel a été mangée par des chiens. Amen. Maintenant, frère Branham explique aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, qui mets des fardes, il dit, vous devenez aussi une viande de quoi? Des chiens. Vous allez dire, mais moi, je suis là, je suis vivante, je suis en bonne santé, je suis bien. Il dit, comment vous devenez de la viande pour les chiens? Quand tu te maquilles, nous l'avons vu que le but, c'est d'attirer quoi? Des hommes. Mais quel homme vous allez attirer? Pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, plein du Saint-Esprit, il n'aimera jamais une femme qui s'effarde. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a des hommes animaux, des hommes sans le Saint-Esprit, Amen. Qui va t'envier. Oh là là, quelle jolie femme. Mais vous ne savez même pas que c'était des fonds du terre qui fait ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Un homme sans le Saint-Esprit, C'est un animal. Amen. C'est celui-là qui va t'envier. Quand il va t'envier, Jésus a dit, ne convoitez pas une femme. Celui qui convoite une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc tu es devenu une viande de quoi? Des chiens. Des chiens t'ont déjà dévoré. Ils t'ont envié. Ils ont fait adultère avec toi. Au jour du jugement, il va dire, mais moi j'étais vierge. On va te montrer
toute une file des hommes derrière toi avec qui a été commis en adultère. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous avez dit, mais non, moi je ne le connais pas. Dit, non, non, non. Quand cet homme-là t'a envié, parce que tu t'es maquillé, tu étais devenu joli, il t'a envié, il a commis adultère avec toi. Sœur, combien de fois dans la rue quelqu'un te dit, oh là là, ma sœur, tu es jolie, hein? Tu es une belle femme. Mais il t'a envié. Même si tu ne dis mot, est-ce que vous dites amen à ça? Il t'a envié. C'était un animal, c'était un chien. Donc, au jour du jugement, là, ça ne sera pas toujours que tu es couché avec un homme. Hein? Mais quand il t'a envié, pourquoi l'homme t'a envié? C'est ce que Branham nous explique. Hein? Vous savez ça? Il t'a envié pourquoi? Parce que toi, tu es sorti nu devant lui, tu t'es sorti avec cet habillement, tu es sorti avec cette apparence mondaine, il t'a envié. L'homme là, le chien sera jugé, mais toi aussi, tu seras jugé. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Oh non, c'est lui qui m'a envié. C'est lui qui m'a envié. Mais oui, il y a quelque chose qui l'a attiré vers toi. Est-ce qu'on dit amen à ça? Vous avez compris maintenant comment vous devenez la viande des chiens, des chiens? C'est comme cela. Et Akab aussi, pendant qu'il fouillait, pendant que nous y sommes, Dieu avait prononcé aussi une sentence pour lui. La prophétie disait, Élie avait dit que les chiens lécheront ton sang. À Jézabel, on avait dit que les chiens vont les manger. Mais à Akab, la prophétie disait que les chiens vont lécher ton sang. Akab, pendant qu'il courait, à la flèche, il tombe en guerre. On le prend, on dit, oh, c'est le roi quand même. Le roi, on ne va quand même pas le laisser ici dans les champs de bataille. On va l'enterrer. Et ils ont pris le pousse-pousse. Vous savez le pousse-pousse? Et ils ont mis Akab là-bas. Pour jusqu'au cimetière. Et ils ont enterré à Akab. Mais ils regardent les pousse-pousse avec plein de sang. On dit non, non, non. Ça, on va aller quand même laver ça. Dieu, frère, il a accompli sa parole. Amen. 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 Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux, pasteur. Et ils amènent là au bord de l'eau pour laver. Ils déposent là avant qu'ils viennent laver. Les chiens viennent là. La pousse-pousse est déjà propre, les chiens ont lâché les pieds. Il fallait que la pousse-pousse de l'épouse quoi s'accomplit. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Fait, pendant que Dieu nous donne le souffle de vie, amen. C'est le temps pour toi et pour moi. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Hein? Dieu, ce n'est pas une utopie. C'est une réalité. Amen. Ça, est-ce que vous dites amen à ça? C'est une réalité. Écoutez un peu. Il continue ici pour dire, voyez. Maintenant, je ne veux pas que vous vous fâchiez contre moi. Je crois que les sœurs, vous n'allez pas vous fâcher contre moi. Non. Hein? Non. Il y a une sœur qui est fâchée contre moi. Levez la main. Hein? Ne vous fâchez pas contre moi, je vous montre la voie à suivre. Amen. Merci, pasteur. Hein? Dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça, sœur. Amen. Dites amen, parce que c'est pour votre bien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, Branham, au paragraphe 24 pour ceux qui me suivent. Il dit, restez loin de cela. Amen. 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 J'ai pas un peu plus haut. Et la femme qui fait cela, Dieu l'a donné en pâturage. En pâture au chien. C'est ça, n'est-ce pas? Yeah. Et si lorsque vous mettez le maquillage, souvenez-vous seulement, Dieu vous a changé en une viande pour le chien lorsque vous voyez quelqu'un faire cela. Amen. Vous, le Fils de Dieu, né de nouveau, quand vous cherchez à vous marier, ne regardez pas la beauté que l'homme, la femme mettent pour être attiré. Observe cette femme dans sa nature. Amen. Qu'elle soit moche, qu'elle aille des bibons ici, qu'elle aille, je ne sais pas, les dents à gauche, les dents à droite, mais si elle est là, dans la parole, avec un caractère, aimant Dieu, aimant la parole de Dieu, c'est celle-là la femme. Amen. 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 J'ai regardé et dit, bon, elle est moche.
L'apparence trompe. Hein. Mais ce qui est dedans là, amen. C'est ça qu'il faut regarder. Amen. Bon, si Dieu te donne une jolie femme, c'est une bonne chose. Amen. Vous dites amen à ça? Je ne dis pas que ne prenez pas les femmes, mais ne vous basez pas sur l'apparence extérieure. Amen. Si elle est belle, c'est une bonne chose. Branham dit qu'Ève était une jolie femme. Rebecca était une belle femme. Mais Sarah était une belle femme aussi. Vous savez cela? Amen. Mais Léa n'était pas comme les autres. Mais elle était la femme de quelqu'un. Amen. Lisez la Bible, n'est-ce pas? Amen. Donc, ne vous basez pas sur l'apparence extérieure. Peut-être que le monde. Et dans le monde, on dit. Ben ça, c'est le monde, je peux vous dire. Il y a des fois, la belle femme, c'est la femme de tout le monde. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Une jolie femme, hein, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est la femme de tout le monde. Tout le monde va voir, oh, quelle jolie femme. Veulent courir avec elle. Mais c'est là que vous pensez qu'elle est moche. Mais vous la garderez pour vous seul. Hein? Donnons une acclamation. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Hein? Je ne dis pas que être belle c'est mauvais ou être moche c'est mauvais. Je dis, non, non. Je vous dis que pour se marier, basez-vous sur les caractères. Ce qui appelle sur madame jolie, c'est une bonne chose. Si te donne, mais ne dis pas parce qu'elle est moche, je ne veux pas l'épouser. Non, 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 non. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh, il est trop petit, ceci, comme un frère nous disait l'autre fois. Un frère au Congo, frère, il venait de Lubumbashi, j'ai oublié son nom. Manika. Un frère, il prêchait qu'en Swahili. Ce frère-là, quand il se met, oh non, j'aime beaucoup comment il prêchait, ce frère. Je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il disait que lui, il est grand comme ça. Azambinga. Costaud, là, en France, hein. Et il disait que moi, depuis ma jeunesse, je voulais avoir une femme qui soit comme moi. Une grande femme comme ça. Parce que quand je la vois, une grande femme, je suis, voilà. Mais c'est ma femme. Dites amen à ça. Amen. Mais pendant qu'il voulait se marier, il lui donna, lui montra une. Et cette femme-là lui arrivait juste ici à la table. Il dit, tu sais, parce que ça va, une femme, quoi, pour moi. Mais c'était sa femme. Amen. Il dit, comment tu as fait des choses? Que moi qui aimais une grande femme, mais il m'a donné une petite femme. Donc, qui m'arrive juste là. Mais c'était le caractère. Cette femme-là, là, s'est portée dans tout ce qu'il pouvait y être. Est-ce que vous dites amen à ça? Revenons ici, frère. Il continue ici pour dire, évitez, restez loin de cela. Évitez l'apparence même du mal. Amen. Amen. Vous pouvez penser que je suis en train de vous donner une réprimande, mais frère, je crois que cela est nécessaire. Amen. 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 Dites amen à ça. Bon, je ne veux pas vous gueuler. Hein. Je ne veux pas ici pour vous. Non, 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 non. Mais la réprimande est nécessaire. Amen. Merci, ça semble touchant, mais. C'est pour votre bien. Amen. Ça s'ouvre. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Hein? Par nature, nous pouvons faire, comme on dit, je peux me fâcher, je peux faire ceci, mais quand la chose, vous le faites selon le Saint-Esprit, ça donne une vie. Amen. Et quand vous le faites aussi charnellement, ça se sent que vous le faites hein, charnellement. Et là, ça ne donne pas une vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça peut sembler, quelqu'un peut dire, ah, mais le pasteur, comment il veut se prendre pour qui? Oh, mais je suis votre pasteur. Amen. Il faut que je vous dise la vérité. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Si je ne vous dis pas la vérité, personne d'autre ne vous dira la vérité. Ça parce qu'ici, Dieu a établi un homme qui est votre pasteur. Amen. Et la vérité vient d'ici. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si vous m'aimez, donc, si vous voyez en erreur, venez me voir. Mm-hmm. Venez me parler. Si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je suis en train de préparer une réunion spéciale avec quelques gens. Je vais les nommer. Nommément.
frère tel, sœur tel, couple tel, nous avons réunion avec vous. Les choses qu'on va vous dire en face, celui qui veut prendre, il le prend. Celui qui ne veut pas le prendre, eh bien, il le met de côté. Mais la vérité, il faut qu'on vous le dise. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Je suis en train de préparer la liste. Je connais chacun de vous. Chacun. Et c'est que la Bible dit, le passé doit vous connaître. Si le passé ne vous connaît pas, c'est une faute. Faites-vous connaître à votre passé. Ça, c'est Branham qui dit ça. Amen. Vous savez ça? Amen. Tu dois venir voir ton passé. Parce que moi, je suis ça. Je viens de tel. J'ai fait ça dans ma vie. C'est comme ça que votre passé peut prier pour vous. Vous aider. C'est Branham qui le dit. Vous êtes avec moi? Amen. Et s'il y a des erreurs à corriger, à faire, c'est mon devoir, à moi, de vous les dire. Est-ce que vous dites amen à ça? Je suis en train de faire une liste de faits, je sais. Je vais leur parler en face. Parce qu'il y a des fois ici, il faut sourd d'oreille. Bon, ici on parle en général, hein. Mais quand on te parle à toi, je dis Salem, c'est toi Salem, ça entre différemment. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous avez des enfants à la maison, dites, mais toi, Victoire, c'est toi, comme je parlais de Kerem. J'ai dit Kerem. Ton travail de nuit là, je veux appeler ton employeur. Même si les gens, on m'a déjà qualifié des choses comme ça. Oh bon, c'est un papa autoritaire. Je ne suis pas autoritaire. Non, je prends ma position de père. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le dimanche, tu n'as pas à aller travailler, tu n'as pas encore commencé à travailler, tu es étudiante, tu n'es pas obligé d'accepter le contrat des dimanches. Tu travailles à l'église, le vendredi on était ici, il n'y avait personne pour jouer au Saint-E. Lévi a travaillé, lui il a signé un contrat, un dimanche sur deux, c'est normal, il n'étudie pas. Mais pour toi, Kerem, je ne veux pas que tu fasses ça. Tu es encore sous mon toit, je vais appeler là-bas, je vais dire. Arrêtez ce contrat-là. Ne lui donnez jamais de contrat de dimanche. C'est moi son père. C'est normal de parler, n'est-ce pas? Parce que j'aime ma fille. J'aime mon enfant. Amen. Un frère m'a reproché, mais nous aussi, nous sommes tes enfants. Oui, vous êtes aussi mes enfants. Mais il y a de ceux qui n'acceptent pas. Est-ce que vous savez ça? Il y a de ceux qui ne vous acceptent pas. Mais vous venez ici pour quelle raison? Il y a des gens qui ne vous acceptent pas. Et vous venez là. Autant mieux chercher ailleurs. Amen. Sinon, je ne serai pas une bénédiction pour vous. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça, c'est Branham qui dit. Ça, c'est vrai. Si vous ne m'acceptez pas comme votre pasteur, mais je ne serai pas une bénédiction pour vous, vous perdez votre temps. Amen. Allez chercher ailleurs. Amen. C'est ce que la Bible dit. Nous, on n'est pas là pour flatter des gens. Il faut qu'il y ait des gens. Non, non, nous voulons des gens, mais déjà des qualités. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Pour que vous puissiez être une bénédiction, obéissez à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Aimez votre pasteur. Priez pour lui. Amen. C'est pas celui qui prie pour que le pasteur meure. On nous a raconté une histoire à Dissalani, je crois, frère. Le pasteur était malade. Les gens priaient. Chacun priait par Dieu. Pardonne notre pasteur. Guéris notre pasteur. Il y a une autre qui était. Le diacre, vous savez, comme je le disais, vendredi, le diacre. Hein? Quand les gens prient, toi, tu ne pries pas. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vous êtes un soldat. Amen. Et le diacre s'est fait. Il voyait. Et il arrive devant un côté, un frère de tout, il dit, bah, coufette, coufette. Mais quel frère, mais qu'est-ce que tu viens chercher? Et hier, un frère m'a envoyé une vidéo où on montre en Chine les enfants qui tuent leurs parents. Oui. Frère, le monde là, c'est terrible. C'est fini.
des enfants. Il dit que les parents sont devenus vieux, il faut qu'ils meurent et lui, il récupère la maison. Il sort dehors, il commence à les taper avec des tout. Tout le monde est en train de regarder. Seigneur. J'ai dit, le monde là, ça va aller où? Ton père, ta mère, qui t'a permis que tu puisses avoir la vie, qui prie pour qu'il meure. Ça, c'est dans le monde. Mais dans les églises aussi, comme ça. Donc, des gens qui prient pour que leur pasteur meure. Il y a quelque chose. Allez comprendre quelque chose. Il parle, son papa qui le met au monde. Allez, j'ai encore la vidéo. Quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Ils ont écrit des Chinois. Commence, voilà. Il y a une soeur qui lève la main là. Qui, oui, hein, voilà. Qui tue leurs parents pour qu'ils puissent rééquiper. Ils disent non, ils ont beaucoup vieilli, là, ils ne meurent pas, là, il faut les tuer pour que moi je pas à la maison. Oh, je vous dis la vérité. Frère, il faut que Jésus revienne. Je vous dis les choses qui vont se passer sur cette terre, ça sera terrible. Ça sera terrible. Et c'est une prophétie. Vous savez cela? Les pères et les enfants seront contre les parents, c'est des choses qui commencent déjà à arriver. Amen. Frère, nous parlons, le monde là va où? Ça va où là? Comment un homme, moi là, je m'imagine que je prends, même gifler mon père, ma mère, je ne peux pas le faire, c'est une malédiction. Amen. Toucher à ton père, à ta maman, mais ça c'est une malédiction. Amen. Peu importe ce qu'il a fait. Amen. Amen. Ça c'est. Vous dites amen à ça. Amen. Je vais te frapper. Au coup fit. Bon, comme il n'a pas de force, peut-être il n'a pas de force, tu vas la frapper, tu vas tout ça, mais c'est fini pour toi. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est pareil pour dans les églises aujourd'hui. Il y a des hommes qui arrivent à frapper les pasteurs. Tu es fini. Mort. Correct. Amen. Peu importe ce qu'il a fait. Dites amen à ça. Amen. Parce que le pasteur, c'est votre père. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? Amen. Il dit, puisque votre père naturel. Amen. Votre vrai père. Osez toucher à votre, même s'il t'a dit quoi, il t'a fait quoi, laissez Dieu prendre, il prendra soin de toi. Mais toi, quand tu dis non, moi je veux le frapper, tu es mort. C'est la loi de Dieu. Ta maman, même si elle est vieille, comment? Ton papa, même s'ils sont les autres tanga, c'est ton papa, c'est ta maman. Osez toucher à ça. C'est terminé pour toi. Mmh. Ça, c'est fini. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est fini. Mais c'est, nous sommes là, frère. J'ai vu la vidéo. Frère, c'est difficile à comprendre ça. Un enfant qui tue son père. Pour quelle raison? Pour qu'il puisse récupérer la maison. Donc lui, il est vieux maintenant. Il faut qu'il meure. Tout ce que nous voyons dans le naturel, c'est ce que nous voyons dans le spirituel. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, quand vous priez pour quelqu'un, même si c'est votre ennemi, présentez de bonnes choses. Mais quand vous priez pour quelqu'un, Dieu répond aussi à votre propre prière. C'est ça le secret. Vous êtes avec moi? Alors il dit, voyez, il dit, évitez. Voyez, évitez, je suis votre frère. C'est vraiment qu'il dit, qui parle. Donc ne me haïssez pas. Je vous montre que la parole. Je ne veux pas que vous vous fassiez contre moi. Je suis votre frère. Et Dieu me fera répondre devant vous au jour du jugement, c'est juste. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et tout le monde, pentecôtiste, s'il vous déçoivent, vous ne le faites pas. Dites amen à ça. Amen. Excusez-moi. Il dit, quand quelqu'un qui te soit dans ta vie, vraiment tu dis, oh, je suis déçu de cet homme, de cette femme. Mais toi, ne le fais pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Peu importe ce que l'autre t'a fait, prie pour lui. Amen. Prie pour lui.
Voyez, vous ne le faites pas. Déjà, vous ne le faites pas. Vous restez fidèles à Dieu. Priez. Dites amen à ça. Écoutez ce que Branham dit ici, c'est très important. Il dit, priez, vivez correctement, associez-vous avec Dieu et son peuple. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Associez-vous avec Dieu et son peuple. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Frère, vos amis païens là, oubliez un peu ces gens. Amen. Oubliez-les. Vous allez voir la différence. Peut-être que ce sont eux qui empêchent votre bénédiction. Amen. Tant que tu ne seras pas séparé avec eux. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Frère Branham nous raconte l'histoire d'Abraham et Lot. Tant que Abraham n'était pas séparé d'avec Lot, il n'y avait pas la bénédiction. Amen. Tu auras des petites miettes. Pas toute la bénédiction. Jusqu'à ce que tu te sépares. Peut-être que ce sont tes amis-là qui sont en train d'empêcher ton mariage. Peut-être que c'est ton ami-là qui est en train d'empêcher ton travail. Peut-être que c'est ces amis-là qui sont en train d'empêcher ta progression. Mais tu es toujours avec... Mais elle est célibataire. Mais elle voudra que vous puissiez être avec elle comme elle est célibataire et ils ont eu des enfants dans le monde. Il veut qu'elle soit aussi, du coup, ça va. Des enfants dans le monde. Lui, 40 ans, il est toujours chez des parents et il voudra que toi aussi, tu puisses être toujours comme lui. Il ne voudra pas que tu t'épanouis jusqu'à ce que tu te sépares. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il n'a pas fait exception à Abraham, il ne fera pas exception avec toi. Amen. Jusqu'à ce qu'Abraham a compris, les problèmes, c'est cela. Amen. Il dit qu'il fallait qu'il se sépare même de son père avant qu'il puisse avoir toute la bénédiction. Observe autour de toi. Oh non, c'est mon ami, c'est mon ami. J'ai suivi une vidéo là, que c'est quelque chose dans une église là. Et je ne sais pas, la fille d'ici Bourou. Alors, une femme avait. Quelqu'un a vu ça? Oui. Une femme avait. Elle avait son mari qui lui a donné 20 000 dollars. Hein, vous avez vu ça? Oui. Bon, pour aller acheter des choses en Inde pour venir vendre. Il a dit, ma chérie, 20 000 ici, va acheter. Et cette amie, cette femme avait aussi sa meilleure amie. Écoutez vos amis. Hein. Sa meilleure amie. Meilleure amie. Tous ensemble, ils se connaissent les secrets. Ils savent tout. Les hasards et tout ça. Même à vos amis, frères, sœurs. Ta vie. Ta vie. Privée. Hein. Amen. Amen. Amen, ça se fait. Amen. Demain, ça sera la première. Celui qui va te trahir ne viendra pas d'ailleurs. Amen. Non, Amen. C'est celui Amen. Qui te connaît. Amen. Qui sait comment il ronfle. Amen. Amen. Lui, la nuit, d'abord, il parle la nuit. Mm-hmm. La nuit, il fait pipi au lit. Oh. C'est lui avec qui tu dors là. Amen. Ça se vrai. Parce que l'autre, il ne sait même pas comment tu dors. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il ne sait pas si tu ronfles ou si tu ne ronfles pas. C'est lui qui dort avec toi. Mm-hmm. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, il a donné 20 000 à sa femme. Va acheter des trucs. Comme ça, on va se débrouiller tout ça. Il dit, ok, il se prépare. Dans une semaine, je vais aller. Pendant que la femme va au travail, son ami va voir son mari. Il dit, toi tu as donné 20 000 à tel pour aller acheter. Mais j'ai dit que c'est fini. Hein. Il dit quoi? Il dit non, quand il va partir, elle va plus revenir. Moi je connais son secret. Il a des amis par-ci par-là. Et il ne va pas revenir là. C'est fini. Le mari a dit, Besanga Imbo. Dites amen à ça. Amen. Il a dit non. Et la femme n'a pas compris. Oh, tu m'as donné. Pourquoi tu l'as mis? Non, donne-moi ça. Donne. Il a récupéré l'argent. Et ce jour-là, Dieu a fait que les secrets puissent être sortis. La bagarre a éclaté dans l'église. Bon, ça, de ce côté-là, je n'étais pas d'accord, vous savez. Mais le fait, c'était là. Parce que Dieu n'a pas besoin de dire ici que non, c'est ta maman, c'est toi qui fais ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu ne veut pas semer la haine dans ton cœur. Alors là, ce pasteur-là, il a dit, voilà, c'est même madame telle, il arrive là. Tu as un ami qui s'appelle telle, mais ceci.
Et tu connais monsieur tel? Il dit, oui, c'est mon mari. Oh. Et il t'a donné 20 000, oui, c'était ses amis. Alors, celui qui a fait que c'est la foire, c'est ton ami. Confirme, comment ça ne se parle. Dites amen à ça. Le secret d'un chrétien, c'est Dieu. Amen. Ta vie, tu ne peux le dire qu'à Dieu. Amen. Et à Dieu, la seule façon de le faire, c'est au travers de ton pasteur. Amen. Un point. Oh, c'est mon ami. Oh, c'est moi ceci. Un jour, sache que quand tu as dit à ton ami, il a aussi un autre ami qui l'appelle un ami intime. Qui va dire, toute ta vie sera étalée. Et de ceux qui s'accusent eux-mêmes. Même dans les tribunaux, on dit ne vous accusez pas vous-même. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ne vous accusez pas vous-même. Tu dis cela donc. Toi-même, au bimissi, c'est que les gens ne savent pas, toi-même, tu le dis. Et ça devient un problème. Dites amen à ça. Amen. Alors, j'avance vers la fin. Ça ne finira pas aujourd'hui, on va finir prochainement. Il dit vivez correctement, associez-vous avec Dieu et son peuple. La Bible dit que vous sortiez du milieu des choses mondaines et impures. Amen. Le Saint-Esprit appelle les gens à sortir. Amen. De vous séparer des choses du monde. Amen. Peu importe ce que votre voisine fait et combien elle est bonne, ce que fait ses gars, ne vous associez pas avec l'incrédulité. Amen. Ce que l'autre fait, ça ne me regarde pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mmh. Oh, le voisin a fait ceci. Eh bien, ne vous associez pas à cela. Cela sautera droit sur vous. Voyez-vous? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit Dieu. Ayez des amis chrétiens. Amen. Là, les autres ne veulent pas savoir. Les jeunes n'aiment pas ça. Oh, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Oui, quand la Bible dit que ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Oh, on est mal, il est où? Il y a un mal. Amen. Amen. Sinon, Dieu n'allait pas dire ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ayez des amis sauvés. Quand quelqu'un veut parler de la parole, parlez avec lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. J'ai parlé avec une jeune fille, là, aujourd'hui. Il m'a dit, est-ce que c'est mal de parler avec... Non, non, non. Tant qu'il aime parler de la parole, continuez à parler. Amen. Un jour, peut-être la lumière va jaillir. Mais pas autre chose. Quand ça commence, non, aujourd'hui, on va aller au cinéma. Suspect. Suspect. Amen. Hein? Dites amen à ça. Amen. Quand il commence, déjà, bon, est-ce que on peut aller au cinéma? Là, commence déjà à prendre tes distances. Dis non, 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 Kotoyo, au boulot. Est-ce que vous dites amen à ça? Ayez des amis chrétiens. Frère, ça ne blague pas. Le diable, lui, ne joue pas. Toi, peut-être, tu ne te rends pas compte, mais le diable, lui, ne joue pas. Vous êtes avec moi? Ah oui. Il dit le Saint-Esprit appelle les gens à sortir, à se séparer. Voyez-vous? Ce que fait ces gars. Ne vous associez pas avec l'incrédulité. Voyez-vous? Et vous, prédicateurs, si vous ne leur dites pas cela, que Dieu ait pitié de vous. Amen. À nous, les prédicateurs. Amen. Amen. Notre devoir à nous, c'est de vous dire la vérité. Amen. Que Dieu amen. Bénisse. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Branham dit quelque part, un prédicateur ivrogne ne viendra pas parler contre la bière ici. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Un impudique ne viendra pas parler contre l'impudicité. Non. Pourquoi? Mais parce qu'il sait amen. Ce qu'il sait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il ne dira pas de ça. C'est-à-dire que cela. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Un menteur ne parle pas contre le mensonge. Il vous dira, oh bon, les petites choses, là, ça arrive. Or, nous savons que le mensonge, Frère Branham dit, ça rend même malade que les médecins ne découvrent pas la cause. Amen, amen, amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça rend malade que vous allez dans le
les hôpitaux. J'ai mal. Mais on le cherche. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous souffrez? J'ai mal à la tête. Mais on ne sait pas l'origine. C'est quoi? C'est quoi? On cherche, on fait des examens, on met tout ça. Rien. Rien. Bah, ça s'est guéri où? À l'église. Amen. Ça s'est guéri à l'église. Mais les gens ne comprennent pas. Nous, les prédicateurs, moins compris. Hein. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Hein? Compris, c'est Branham qui parle de ça. Il dit, nous devons parler de ces choses. Vous dire que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Que ceux qui ont nos oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Parce que comme il y a des gens qui ne croient pas, mais il y a aussi des gens qui font quoi? Qui croient. Amen. Ça, c'est, oh, ça c'est inévitable. Amen. C'est automatique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous? Voyez? Faites cela. Maintenant, c'est ce que font donc les prédicateurs aujourd'hui. Quelle que soit la manière dont l'Assemblée veut agir, alors ils veulent la suivre l'Assemblée. C'est la manière dont les prédicateurs leur prêchent. Je veux vous dire ceci. Un prédicateur envoyé par Dieu, né du Saint-Esprit, ne va pas compromettre avec n'importe quelle chose. Amen. Je préfère vous dire la vérité. Que tout le monde me quitte, mais que je sois avec la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que je sois au moins avec la vérité. Voyez-vous, il dit, vous prédicateurs, si vous ne leur dites pas cela, oh, que Dieu ait pitié de vous. Amen. De vos âmes. De vos âmes pécheresses. C'est juste, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons revenir à la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez? Donc, c'est le temps de séparation. Amen. Amen. Sœur, si tu es encore attaché aux choses du monde, aujourd'hui c'est le temps de quoi? De séparation. Séparation. Amen. Commence-toi à te séparer. Voyez-vous, cette fois frontalier, cette fois à mi-chemin, cette condition de tchédère. Savez-vous que la Bible avait dit que ces jours viendraient, l'âge de l'église et de la Odyssée. Ils avaient dit que vous seriez simplement tièdes et donneriez des nausées à Dieu, comme je viens de l'expliquer. Amen. La tiédeur donne la nausée à Dieu. Amen. Il a envie de vous vomir. Prenez une position. Dites amen à ça. Saint Joas, je termine par là. Nous allons continuer. Saint Joas, comme je vous ai expliqué ici, un croyant frontalier, mi-chemin, tiède, emporté, ballotté, n'est-ce pas? De tout, ne soyez pas emporté par ce que vous voyez. Je viens de le dire. Amen. Ne soyez jamais, jamais, jamais ballotté à propos de ce que vous voyez. Amen. Hein? Ne vous modélez pas sur Hollywood. Il y a de ces gens-là, ils s'habillent comme Hollywood. Ils copient tous les modèles de Hollywood. C'est Branham qui dit. Hein? Ils voient une vedette de cinéma. Il s'est mis, je ne sais pas quoi. Le lendemain, lui aussi, il veut s'habiller comme lui. Voyez-vous, il veut s'habiller comme lui. Il dit, n'essayez jamais de faire cela. Revenez à Dieu. Amen. Nous devons sortir de ces choses et faire confiance en Dieu. Nous prosterner et prier devant Dieu. Et revenons à Dieu. Et ce vieux roi pensait qu'il irait simplement vers n'importe quelle direction où le vent soufflait. Il était ballotté par quoi que ce soit. Pourquoi? Vous n'êtes jamais stable. Jusqu'à quand, frère, tu vas balloter à gauche, à droite? C'est... Prends une position. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même une église, on l'a choisie. Demain, oh non. Après demain aussi. Après demain, non. Prends une position. Choisis. J'ai dit, je choisis cette église. Et Dieu va t'enseigner là. Amen. Il va te montrer comment. Aujourd'hui, on en parlera l'un de ces jours, frère. Un membre, ce n'est pas n'importe qui. Un membre, ce n'est pas celui qui vient visiter. On parlait d'une sœur, une personne, je ne dis pas ça, une personne qui se parle, oh non, moi je suis allé à l'église, mais je ne vois pas, j'étais malade, le faire tout ça. Mais quand toi tu viens une fois, tous les 3 mois, dis-moi la vérité, frère. Une
fois à l'église tous les 3 mois. Il y a des gens même à l'église quand on se dit ton nom, on ne le connaît pas. Comment on va le savoir que tu es à l'hôpital, on viendra te voir comment? Et tu vas donner le tort vraiment à l'église. Hein? Tu es vraiment membre de cette église une fois par tous les 3 mois. On va te considérer membre. Non, tu es un visiteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un membre, c'est celui qui vient. Sa présence est une obligation. Amen. Chaque fois que nous avons culte, le membre de l'église doit être là. Amen. C'est dans l'ordre de l'église. Amen. Doit être là. Un membre de l'église, c'est celui qui vient là. Est-ce que vous savez ça? Amen. Chaque fois que nous avons réunion, sa présence. Frère, mon ami, la deuxième chose, un membre, c'est celui qui paye ses dîmes et ses offrandes à cet endroit-là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un membre, c'est celui qui prie pour cette église. Quand vous attendez, frère Jackie là-bas, ça ne va pas. Vous attendez là-bas, Gauchel, ça ne va pas. Vous attendez, André, ça ne va pas. Vous attendez là, Magoma, ça ne va pas. Sœur Marc, ça ne va pas. À genoux. Amen. 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 C'est ça, un membre de cette église. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On te voit une fois tout le trimestre. Et tu sors dehors, oh, moi je suis membre d'Agapao, non? Dieu même sait que tu mens. C'est vrai, pasteur. Dis amen à ça. Amen. Tu n'as jamais payé ta dîme, ni les offrandes. Tu sors là, oh non, moi je prie à Agapao. Tu es menteur. Tu te peux dire amen à ça? Amen. Tu ne pries pas pour cette église-là. Mais quand vous mentez, Dieu sait que vous mentez. Amen. Hein? Vous n'allez pas tromper personne. C'est ça, imam. Et Branham dit dans l'autre église, c'est seulement ces gens-là. Hein? Je vous apprends quelque chose. Hein? C'est seulement celui qui vient régulièrement à l'église, qui paye ses dîmes et ses offrandes, qui prie pour son église. Celui-là, c'est celui le membre. Et frère Branham, nous sommes tenus à soutenir d'abord nos membres. Amen. Quand il y a des... On mobilise l'église. Sœur telle a perdu quelqu'un. Sœur telle a perdu quelqu'un. Aujourd'hui, on va passer la nuit là-bas. Ah, parce que c'est un membre. Amen. S'il faut cotiser, frère a un problème. Voilà, voilà. Frère, mettez quelque chose. On va donner à notre frère. C'est ça, un membre. Amen. Donc, l'Église s'occupe de ses membres premiers. Amen. Et quand ici, nous voulons voter des administrateurs, des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, des moniteurs de corps de dimanche. Allez, Emmanuel n'est pas là aujourd'hui. Amène-moi le cahier. Oh, on a proposé tel frère comme administrateur. On a proposé tel frère pour comme moniteur de corps de dimanche. Sœur tel pour le corps de dimanche. Je vérifie. Est-ce que la sœur, on l'a proposé moniteur de corps de dimanche. Est-ce qu'elle vient à l'église? On regarde, oui, de ce côté-là. Ok. On m'a vu. Deuxième condition. Est-ce que la sœur, on lui a proposé comme monitrice de l'école du dimanche, est-ce qu'elle paye ses dîmes et ses offrandes? On regarde. De cotisation. Est-ce qu'elle donne? Et frère André, le cahier, vous l'avez, le frère, est-ce que sœur telle paye ses cotisations? Frère André dit non. Sœur telle, en tout cas, j'ai vu qu'une seule fois, après, dans une année, il a payé que 2 fois. On met une croix. Oh non! Bon, frère, bon, ça, la troisième condition, c'est Dieu qui connaît. Si tu pries ou si tu ne pries pas. Mais déjà, les deux conditions, là, moi, un homme, je vois. Ça vous élimine pour être candidat. Ça, c'est Branham qui dit. Et quand nous, on va mettre là, on va voter. Frère Magoma, sors ici. Alors, l'église va voter. Toi! Qui ne vient pas régulièrement à l'église. Tu ne payes pas tes dîmes ici. Tu n'as même pas le droit de quoi? De voter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu n'as pas le droit de voter. Parce que tu n'es pas membre dans cette église. C'est comme le parti politique. Toutes ces choses-là, ils copient sur Dieu. Amen. Frère, tu ne peux pas faire partie du parti socialiste et tu ne cotises pas tes cotisations. Amen. Vous avez déjà entendu ça? Amen. Mais vous, ici, des membres, combien on cotisait pour payer la maison? Frère André, chaque mois, il pleure ici. Il faut qu'il y a des fois, il sort de sa poche des administrateurs pour payer la maison. Mais vous, vous dites des membres. Vous cotisez où? Ça, ce n'est pas vous demander de l'argent.
C'est comme dans votre maison, tu payes la maison, tu habites là, tu ne peux pas rester dans cette maison-là, même si tu achètes la maison, nous payons. Mmh. Est-ce que vous savez ça? Tu es dans une maison, tu ne payes rien, tu dis non. Mais c'est quel homme, quelle femme? On va te chasser. Est-ce que c'est vrai? Amen. Toi, maman, combien de fois? Si vous demandez, frère, donne-moi les cahiers. Il y a une. Donc, peut-être, moi, je vais le faire. Donne-moi les cahiers. Les mois ici de cotisation des frères qui ont payé leur cotisation pour qu'on paye les loyers. Vous pensez que ça va tomber du ciel? Regardez la Bible. Dieu, avec tout ce qu'il possédait, il les a donné la manne à payer, à manger. Mais il dit, après tout ce que vous avez hier en Égypte, amenez les or et les diamants que vous avez à construire les temples. Avec qui? Dieu a fait de ça de l'argent? Non. Et dans ces temps, là dehors, on met une boîte là. Chacun vient, il met là. Mais Dieu pouvait dire que non, 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 moi je vais vous donner l'argent. Mais Dieu vous a donné la vie. Il vous a donné toutes ces choses. Mais Dieu ne fait pas des choses pour faire plaisir. Est-ce que vous dites amen à ça? Combien qui cotisent? Combien vous cotisez? Cette année, nous sommes au mois de décembre. Frère André, fais-moi la liste de tous les frères. Je sais combien il a cotisé. Je viendrai, je vais citer ça ici. Là, on saura. Je vais faire tel mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Mais c'est elle qui amène de mauvaises choses sur l'église. Amen. Mais lui, il ne participe à rien. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais je crois que c'est ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Combien? Vous n'avez même pas le droit de voter. Et on ne peut pas vous voter. Tu ne peux même pas mettre ta candidature. Et vous le savez. Et si on parle seulement de la dîme, oh, là encore, il y a des désaventurés. Désaventurés. Il paye aujourd'hui. Il va payer encore 5 mois après. Vous pensez que Dieu, lui, l'a oublié? Non. Non? Non. Mais vous, vous mangez tous les jours. Tu t'habilles comme tous les jours. Comment voulez-vous que... Mais j'ai dit à un frère l'autre jour. Les gens disent, oh, frère, je n'ai pas de papier. Moi, je ne travaille pas. Je n'ai pas pour... Mathieu Kassongo, il est là aujourd'hui. Il est là? Il était là? J'ai dit à un frère, frère, on va vous appeler ce frère-là. Mathieu, on va le mettre là. Dieu va vous poser la question. Cet homme, avec des enfants, sans papier, frère, j'ai dit, mais les gens, vous serez vraiment, je ne sais pas. Comment il paye ses dîmes, ses offrandes, et toi, avec des papiers, hein, avec un travail, tu ne payes pas. Tu vas échapper comment? Parce que Dieu va te montrer celui-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il va te montrer celui-là. Il va vous appeler Ndjalendja. On va vous mettre là. Ndjalendja, sans papier. Mais il paye ses dîmes. Comment toi, avec des papiers, tu ne payes pas tes dîmes? Et tu travailles. Il y a les autres. Ils viennent ici passer le prix pour le travail. Dès qu'il prend le travail, fini. On ne le voit plus. Il ne paye pas. Frère, ce que je vous dis là, ça fait partie de la parole. Amen. Ce n'était pas dans mon programme, hein, mais comme Dieu le dit que je vous le dise, il faut que je vous le dise. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu vas échapper comment? Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça être en ordre avec Dieu. Amen. Tu n'es pas en ordre avec Dieu tant que tu n'obéis pas à la parole. Amen. Et la raison même de la pauvreté dans nos maisons, ce sont les manques de paiement des dîmes et des offrandes. Amen. Amen. Le diable connaît ça. Il va vous dire, quand tu vas donner, mais tu vas mourir de faim. Est-ce que vous dites amen à ça? Et tu écoutes le diable. Mais Branham me dit, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Vous arrivez, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 tu es appelé, tu es convoqué au tribunal. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 tu as fait quelque chose là-bas. Allez, 1000 euros et cueille. Il y avait ceci, il y a quelque chose là-bas qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, mais la voiture, là, il y a eu ceci, allez,
avocat, hein, 1000 euros et avocat, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Là, dit, quand vous mettez là, ça sort. Il trouve vos poches. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un frère disait, mais frère, la dîme, c'est le salaire. Je suis en train de préparer un enseignement pour ça, pour qu'on me dise qu'on n'a jamais prêché ça. Je vais prêcher, je vais vous enseigner sur ça. Au cas où on parle, et moi je ne travaille pas faire, je ne peux pas payer. On parle de dîme, c'est le salaire. Qui vous a dit que la dîme, c'est le salaire? La Bible parle de revenu. Est-ce que vous savez cela? Le revenu, ce n'est pas un salaire seulement. Le revenu, c'est tout ce que vous avez qui entre entre vos mains. C'est cela, le revenu. Alors, sinon, j'ai dit, frère, alors, la première fois qu'on a vu quelqu'un payer la dîme, c'était qui? Abraham. Vous connaissez la parole, hein? Il faut agir en conséquence. Abraham a payé la dîme. La première personne que nous avons dans la Bible à payer la dîme, c'était Abraham. Dites-moi, Abraham, dans quelle usine il travaillait? Répondez. Hein? Vous connaissez l'usine où Abraham travaillait? Qui était son patron qui lui donnait un salaire? Vous le connaissez? Hein? Quelqu'un le connaît? Non? Quel salaire? Quelle usine? Il n'y avait pas de VOE là-bas. Il n'y avait pas d'usine de VOE, de Paul Wright. Il n'y avait pas des usines. Il travaillait où? Pour payer la dîme à Melchisedec et tout ce revenu, toute sa dîme. C'est pour vous montrer que le revenu, ce n'est pas le salaire. Le salaire fait partie des revenus. Le chômage fait partie de revenus. Job étudiant fait partie des revenus. Le CPS fait partie de revenus. Les allocations familiales font partie de quoi? Des revenus. La pension fait partie de quoi? Des allocations. Oh, on m'a donné un don. Ça fait partie des revenus. Oh, c'est mon père qui m'a donné l'argent des poches. Ça fait partie des revenus. Oh, bundalo, lingo, lingate, la parole restera là-bas. Amen. Est-ce que vous dites ça? Et j'ai beaucoup de questions là-bas dessus. Déjà, m'ont posé la question. Par exemple, pasteur, est-ce qu'on peut donner la dîme sur un prêt? Je vais vous répondre. Je suis en train de préparer. Un prêt, vous avez prêté 10 000 euros à la banque, un prêt pour peut-être des travaux. Ça là, tu ne peux pas payer la dîme. Il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas tromper. C'est un prêt pour un bit. Mais si tu as prêté 10 000 pour commencer, pour acheter un appartement, c'est un exemple. Oh, frère, mon bénéficiaire a acheté l'immeuble avec 3 appartements. On t'a prêté 150 000 à la banque. Si les 150 000, tu ne viens pas donner la dîme à Dieu. C'est un prêt. Ça ne t'appartient pas. Mais pour ce que tu fais avec ça, des intérêts que cela produit, tu dois payer la dîme. J'achète les immeubles. Je prends l'exemple de mon président ici, pour que les gens ne spéculent pas. Oh, Ansel m'a acheté l'immeuble ici, 3 appartements dedans. Quand il achète avec 150 000 dollars de prêté, il va rembourser l'argent là. Mais les intérêts que cela produit. Il prend un locataire, il met en haut, il dit, tu vas payer 1000 euros par mois. Les 100 euros de ces 1000 euros, il doit les payer à qui? À Dieu. Amen. Si vous ne le faites pas, vous êtes un voleur. Dieu vous demandera les comptes. Amen. C'est ça l'équilibre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu ne viendras pas, mais quand vous vendez une parcelle, oh, ma goma a vendu sa maison à Lubumbashi. Il a vendu la maison, le terrain, 50 000. Il nous parle parce que j'ai vendu que la moitié du 50 000. Est-ce que vous me suivez? Amen. 50 000, j'ai vendu la parcelle. 5 000, c'est à Dieu. Amen. J'ai dit ça parce que lui, il a déjà fait.
Hein, ça, je vois sa sœur qui écoute. Parce qu'avec les sœurs Jeannette, ça ne blague pas. Hein, frère Mago. La première fois que j'ai vu un homme honnête, il est là dans les secrets. Moi, je ne savais même pas qu'ils ont vendu. Il est venu parce qu'on a vendu une partie de terrain. Là. Ça, si vous ne le faites pas, frère, vous êtes un voleur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans la Bible, il y a un qui a fait. Hein, frère André? Le frère. Je l'appelle frère, monsieur. Bon. Peut-être que c'était aussi frère. Hein. Ananias, hein? Oui, c'était des frères. Un couple. Et sa fille, sa femme. Oui. Ils ont vendu, ils ont caché. Ils sont venus avec la moitié. Et c'est la femme qui est venue avant. Elle passait. Hein, le mari. Mais, parce que j'ai vendu la parcelle. Voilà, j'ai eu 50 000. Voilà, ça, j'ai apporté. Pierre, lui, regarde. Il dit, mais toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu peux tromper le Saint-Esprit? Il y a des gens qui n'ont pas honte aux yeux, qui n'ont pas foi aux yeux, qui mentent à Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est bien l'enfant. Pierre lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Oh non! Non, bon, mets-toi là. Pendant qu'il chipotait, pas sur place. Frère, vous pensez que Dieu a changé? Non. Frère Banon me dit aujourd'hui, il y a des fois les gens meurent spirituellement. Et c'est plus grave. Quand vous mourrez spirituellement, c'est fini. On peut prêcher ici. On veut dire ceci. Pour toi, ça entre là, ça sort. Tu n'existes pas pour Dieu. Tu es mort. Et c'est plus grave. Et c'est sa femme qui vient par après. C'est pourquoi Frère Banam disait, quand dans la maison, une femme et un homme, Dieu vous a mis là pour s'entraider. Ne dites pas, j'ai vu des hommes. C'est, qu'est-ce, oh non, mais parce que lui, il n'écoute pas. Non, c'est ton mari. Quand Dieu va le punir, toi aussi. Aide-lui. Dis non, papa, appliquons la parole. Si c'est la femme qui est difficile, dis, maman, appliquons la parole. La parole, ne regarde pas le nombre d'argent ici. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Faisons comme la parole de Dieu dit. Il faut que l'un aide l'autre. Et la femme est arrivée, elle a dit, bon, on dit, bon, toi, alors comment les choses sont? Oui, ils se sont dit, bon, quand on partira là-bas, on va dire ça. Ne dis rien d'autre, pasteur, hein? Tu vas dire ce que je te dis là. Ça se passe, frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Il arrive. Non, on a vendu à 50 000. Oh, regarde ton mari. Les jeunes qui viennent de l'enterrer, ils sont en train de rentrer. Ils vont t'apprendre aussi pour aller quoi? Tu gagnes 1 000 euros. La dîme, c'est 100 euros. Et toi, pour la cupidité, tu viens à 50, avec 50 euros. Tu n'as rien fait. Tu es un voleur. Amen. C'est pour votre bien, frère. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Amen. On va continuer prochainement. Amen. Avez-vous aimé la parole? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Parce qu'il vit, je n'ai